N'est-ce pas une vue magnifique? Salut à tous et à toutes, c'est Zambique d'entier, toujours mes amis, on se retrouve pour une petite vidéo en live sur Assassin's Creed Black Flag. Tu fais quoi toi la dame qui essaie de passer, mais je n'arrive pas. Je baisse un peu le son de ma petite télé parce que oui, je suis en live, c'est rare que je suis en live, mais des fois je suis en live. Alors là je suis sur l'île de... j'en ai aucune idée. Dry Tortugas. C'est une ville que vous y allez quand vous faites 5 ou 6 missions du scénario, même ouais, environ. Et là, regardez, là, c'est mon fameux bateau. Et là, regardez ma tenue. C'est la tenue, je pense que tous les petits connaisseurs de Assassin's Creed vous le diront. Et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est la tenue de Ezio Auditore da Firenze. Voilà, j'y arrivais. C'est le assassin du deuxième Assassin's Creed, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai prévu dans cette vidéo, c'est simplement de vous parler un peu d'Assassin's Creed, enfin, surtout de s'amuser, surtout. Et je vais faire des missions assassinat, je ne les ai pas faites. Et en plus, on me dit dans mon oreillette que c'est des gains moyens. Enfin, j'ai regardé avant, surtout. Allez, alors, qui c'est qu'on va devoir aller tuer? Jamais fait de mission sur cette île. Alors, on raconte que le bras droit d'un négrier se dirige vers la plantation de Mantrazas afin d'y conduire une affaire douteuse. Trouvez-le et tuez-le. 1000 reales. Bon, on va accepter. Bien sûr, je vais accepter. Alors, il fallait que je vous dise une chose. Alors, je sais plus si j'avais déjà dit ça sur une de mes vidéos. Ouh, putain, hey, tu vois, on va aller en mer, c'est sérieux? Et on est où là? Je suis où là? Il est là? Moi, je suis où moi-même? Tu peux pas me dire que je suis à l'autre bout de la carte, sans déconner. Oh, attends. Oh, oui, quand même, 1300. Moi, je pensais que c'était sur l'île, moi, t'es sérieux? Oh, putain. Bon, peut-être que si le trajet sera un peu trop long, je vais le couper, mais c'est pas grave, à la limite. Ça me permettra de vous parler plus longtemps, c'est ce qu'on veut. Donc, je vous disais que je sais pas si j'avais déjà dit dans une des anciennes vidéos, mais oh, il y a un truc d'Animus, un truc Abstergo. Oh putain, je me suis loupé. Allez, on va vite remonter parce que moi je suis fou de ces machins. J'ai pour ceux qui jouent le jeu, qui jouent au jeu, j'ai déjà avancé, je crois. J'ai fait une dizaine de missions dans le scénario. J'ai fait quelques contrats d'assassinat dans la Havane. Et en fait, je sais juste pas si c'est sur l'île lui maintenant. Est-ce que c'est sur l'île? Parce que là, je vais perdre 3 heures là si je Attends. Ouais, il va falloir que je prenne le bateau en fait. Parce que là, sinon, c'est pas. Donc, c'est pas grave, ça me permettra de vous montrer un petit peu le bateau. Donc, pour les gens que ça intéresse. Je suis. Donc là, je vais prendre le petit raccourci. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est en jeu, si vous allez sur ce bateau et que vous faites regagner le navire, ben vous regagnez le navire. C'est un petit peu logique. Non, je disais que. Mission, c'est vrai, je suis vers la 10e mission du jeu. Et sinon, dans mes quêtes annexes, je suis. Ouais, j'ai fait quelques quêtes annexes, j'ai fait quelques contrats assassinats à la Havane. Et j'ai surtout débloqué tous les trucs d'Abstergo d'Animus, vous savez, ces petits trucs que j'ai ramassés avant, bah j'ai tout fait ça dans la vanne. Là, je crois qu'il y a des gars qui sont échoués, ou je sais pas, c'est quoi ça, je sais pas, c'est des caisses flottantes, bon, on va récupérer ça. Alors, pour aller droit au but, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Il faut, alors, si je dois conseiller ou non Assassin's Creed Black Flag. C'est mon troisième Assassin's Creed préféré. Premier étant le 1, le deuxième étant le 2, et ça c'est le troisième. Donc il a réussi à détourner le 3 que j'ai absolument pas aimé. Et il faut qu'on trouve ce connard. Très très bonne idée. Alors, à mon avis, il est sur un bateau peut-être. On va voir. Ah, tiens. Ah, bateau, un petit bateau. Par contre, le truc qui me fait peur. C'est que lui, ce que je vais faire, je vais pas l'attaquer dessus, je vais un peu partir parce qu'il y a un putain de gros voilier de connard qui est à côté de moi. Vas-y, prends-toi le mur, allez, on y va, on accélère, c'est bon. Le gros voilier, il s'est pris le mur, il a rien compris. Voilà. Donc, c'est ce qui est bien, c'est écrit la fac, c'est les petits lieux ici, comme par exemple ça. Il y a rien de spécial, il y a juste un petit coffre, mais
Beaucoup de trucs sont vraiment cool. Bon, alors là, j'essaie de me dépêcher parce que le truc, le bateau, il veut s'enfuir. Tu ne partiras pas, mon petit bateau. Tu restes là. Je suis venu te piller. En plus, c'est super facile puisque le gars, c'est un petit voilier de rien du tout. Bon, je vais accélérer parce que là, il est en train de me mettre des distances. Attention, une course-poursuite épique entre des bateaux. Vraiment, une course très très intéressante. Allez. Ah non, je vais pas commencer à tirer. Ah merde, merde, merde. Oh putain. Ils ont vu que je le suivais. Donc là, je vais tirer. Oui. On commence. Là, c'est la bataille navale. Nom de Dieu, nom de Dieu. Ah. Oui, par contre, faut pas que je me tue. Limite. Stop. Oh oui, vas-y. Hop. Allez, on enchaîne. Deuxième kill. Hop, allez, plus qu'à. Allez, j'ai presque fini. Donnez-moi de la vitesse. Là faut que je fasse très attention parce qu'il y a il y avait un baril explosif. Là faut pas que je fasse gaffe de pas me prendre le truc. Donc là ils sont en train de s'enfuir parce que là ils savent qu'ils ont aucune chance. Et ils sont en train de... T'es sérieux, ils sont en train de larguer les amarres ou quoi? Je sais qu'ils allaient se poser dans la ville. Allez, là on va en finir normalement. Ah merde, 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 merde. Et t'as ce connerie de bateau. Voilà. Donc là, est-ce que l'autre bateau s'est foutu ma gueule? C'est bon, j'ai tué? Ok, je sais pas comment il est mort. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, il faut que je tue. Bon, bah, puisque maintenant, on va aller quand même jusqu'au bout. Là, heureusement, eux, ils sont partis. Ils sont battus un peu les couilles. Là, j'ai découvert un nouveau lieu. Donc là, pour libérer le bateau, vous devez tuer un certain nombre d'équipages. Là, par exemple, je dois en tuer 5. J'espère pas. Lui, c'est vraiment un gros connard. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est... J'allais dire que c'était un garde très dur à avoir, et là je l'ai eu très facilement, c'est bizarre. Pour ça, je te dis, je l'ai pas dit, mais mes tenues. Alors j'ai celui de Ezio Auditore de Firenze, hop, toi je te mets cher, hop, meurs. J'ai celle de Ezio Auditore, j'ai celle d'Altaïr, j'ai celle de Connor aussi, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, quand vous réussissez à prendre le bateau comme moi je l'ai fait maintenant, là j'ai qu'un seul choix, vous avez les trucs. Et vous avez réparé le jackdaw, bon c'est le seul truc qui m'a vraiment, mais je suis sûr qu'il y aura bientôt d'autres trucs. Donc là, ce qu'on va faire avec mon équipage va tout simplement couler ce petit bateau parce que c'est un petit bateau. Et maintenant, je vais devoir... c'est bon, j'ai réussi. Ah, tiens donc, on va vite finir la vidéo par ce dernier bateau. Bim, bam, boum, et hop là, voilà, il faut pas me faire chier à moi. Encore vous. Oh bon, on va finir par encore. Eh, c'est combat de bateau là sur cette vidéo, c'est quoi ce bordel? Et faut dire aussi que par rapport à Assassin's Creed 3, et ça je dis à tout le monde, j'ai détesté les combats de bateau sur Assassin's Creed 3, mais nom de Dieu, ce qui est prenant de faire des combats de bateau. Il faut que je fasse attention parce que je suis en train de faire marrer. C'est très prenant les combats de bateau, je pourrais pas vous dire pourquoi, je pourrais pas vous dire ce qu'ils ont changé, même je trouve qu'ils ont rien changé de spécial. Mais je sais pas, c'est beaucoup plus prenant que des coins à bateaux sur Assassin's Creed. Oh là là, alors là, il faut faire attention aussi avec ces... Alors, après, si je devais vous parler de la météo en mer, il faut aussi savoir que la météo change énormément. Et là, et donc parfois tu peux genre avoir plein de météo comme il y a maintenant, et parfois tu peux avoir la putain de pluie dégueulasse où tu comprends absolument que dalle. C'est très dur. Et là, putain, j'aurais dû m'abriter. Abrite-toi. Non, c'est bon. Et j'ai hâte, j'espère qu'il y aura des améliorations pour mon jackdaw. Oui, ça c'est clair qu'il y aura, mais tu sais, des améliorations, genre je pourrais mettre plus de... Oh là, il va me foncer dessus ce connard. Allez, allez Edouard, tire-lui dessus, c'est très très bien. Et là, le problème, c'est que je me fais marave. Là, faut que je bute. Ah, c'est super dur là, si j'ai un miracle, c'est le gagne. Voilà, là c'est bon, je peux pas encore. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Par contre, il faudrait que je fasse. Oh, vous êtes sérieux? C'est la foire à la saucisse ou quoi? Et attendez. Je vais vite, parce qu'il y a un putain de bateau qui me fonce dessus, je vais vite accélérer comme un porc. Sinon, je vais me faire détruire. Là, on va rentrer, parce que si je lui fonce dessus, en fait, je meurs. Parce que mon bateau n'est pas assez fort pour supporter un choc. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille à l'abordage avant que l'autre drapeau me tue. Enfin, l'autre bateau me tue. Voilà, ça c'est fait. Et donc, tuer l'équipage ennemi, tuer les officiers ennemis. Alors là, je vous dis, ça, je pense pas que je vais réussir. Ouh, utiliser ça, c'est pas ça. Oh, la première fois que j'utilise ça, ici.
stylé. Et si je peux tuer des zones depuis là, moi je suis content. Et ouais, grave. Enfin, j'ai tué un ennemi pour l'instant, c'est pas très... Bon, toi, mon ami, tu meurs, voilà, hop. J'essaie de faire le maximum de boulot à distance parce que... Ils sont très très forts, surtout les officiers de la marine. Boum. Oh putain, j'ai tué personne. Oh, je suis vraiment... Voilà, malheureusement, je peux plus trop utiliser. Et à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu... prendre des... Les tuer à distance avec mes armes. Mais bon, moi qui est très très... pas du tout économe, je n'ai absolument aucune munition. Bravo zombie kill, tu es malin. Alors ce que je vais faire, je vais passer par en haut, essayer de tuer les gardes en haut, c'est le plus simple à tuer. Si vous devez tuer des gardes impérativement un certain nombre et que vous n'arrivez pas, essayez de vous faire un ou deux gardes qui sont en haut, je sais pas exactement combien on a, parce que c'est les plus simples simplement. Il faut pas chercher midi à 14h sur ça. Ok, il faut pas que je me loupe par contre, si je tombe c'est un peu la galère. Donc là, ouais, on va aller là. Hop, hop, hop. Putain, allez. Allez, assassin. C'était nul. Pourquoi tu te tues? Ah putain. Ouf, ouais, c'était ridicule. Oh, par contre, je n'ai plus de munitions, mais regardez. Oh tiens, j'ai eu des munitions. Comment j'ai eu des munitions? Ah, j'ai dû encore en avoir. Ok, alors. Vas-y, j'essaie de tuer plus là. Hop. Bon, alors, limite, qu'est-ce que je pourrais tenter de les tuer depuis là? Non. Là, on va baisser. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Allez, vas-y, toi, tu te dégages. C'est quoi ce machin? Vas-y, descends, descends, descends. Et là, bombe fumigène à la con. Personne ne voit rien. Tout le monde, alors que c'est pas l'objectif. J'ai déjà tué mes 15 gars, mais bon, vous savez, j'aime la mort, donc ça me dérange pas. Limite. Tu meurs, salope, avec mon truc d'assassin. Donc là, je crois qu'on a buté. Je vais buter juste les derniers gars pour pas que mes hommes soient butés, parce que c'est vraiment chose importante de l'économie des hommes. Hop, allez, et là, on se fichier pourri encore. C'est bon, allez, dernier. Ya, c'est bon, on les a eu. Putain, et sur cette vidéo, c'est abusé, mais j'ai eu 3 bateaux dessus. Je crois que j'ai, même 4 que j'ai dû buter, c'est rare. Vous voyez que c'est pas super dur de buter les bateaux, juste les buter, c'est facile. Mais après, les accoster, c'est à réduire le niveau de recherche. Bon, je vais pas un jack d'eau parce qu'il est tout cassé. Je vais faire ça. Allez, on va couler le bateau. Et ça sera donc la fin de cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps elle aura duré, je vais aller checker. Elle aura duré 13 minutes, une bonne petite moyenne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, je crois que je viens de me rendre compte d'une grosse bêtise. Enfin, je sais pas. Je crois que j'ai commencé à enregistrer ma voix sur le truc de Game Capture. Et je sais pas si ça va bien. Enfin, on verra bien. Allez, bonne semaine à tous. Je vous souhaite à tous, comme j'ai dit, une bonne semaine. Je me répète et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Merde, un bateau.